Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, fermez la porte. En ce moment, je suis à Yaoundé. C'est le matin. Nous avons choisi de prendre un appartement meublé pour notre séjour à Yaoundé cette fois-ci. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis à Yaoundé pour l'inauguration de notre académie qui est basée à Bastos. Et c'est le matin, tout à l'heure on va faire l'inauguration et je me suis dit je vais d'abord vous transmettre le petit message que j'ai à vous transmettre très tôt le matin. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas maquillée, rien, tout ça. Et je veux vous partager une petite expérience que j'ai vécue en fait. Vous savez, nous sommes au début de l'année et beaucoup de gens ont des projets pour le début de l'année. Il se trouve que certaines personnes se trouvent déjà découragées, d'autres se demandent est-ce que je vais finalement réaliser mon projet, est-ce que ça va marcher, est-ce que. J'aimerais vous dire les amis, vous savez, quand tu es dans les affaires et que tu veux réussir, tu dois apprendre à être ferme, vous comprenez ça? Tu dois apprendre à être ferme. Quand tu fixes ton objectif, il faut que tu saches que il n'y a que ta volonté, ton travail, ta détermination, ta capacité à obliger les gens à marcher comme tu veux, qui va t'amener à réaliser ton objectif. Oui, je pèse les mots que je prononce. Parce que quand tu es une femme d'affaires ou un homme d'affaires, des fois c'est même les gens qui sont autour de toi qui seront tes obstacles, sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est pas qu'ils sont méchants, s'il vous plaît, ne me prenez pas mal. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils te veulent du mal, mais juste que des fois leur incrédulité va porter atteinte sur tes rêves. Des fois leur lenteur va porter atteinte sur tes rêves. Des fois leur paresse, tu vois? Mais toi, tu as ton rêve, tu as ta vision, tu veux réaliser quelque chose. Tu dois être ferme, c'est important. Quand j'ai annoncé sur les réseaux que voilà, je vais faire l'inauguration de mon centre de formation, mon académie à Yaoundé, j'ai reçu beaucoup de messages. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté pour me féliciter. Il y en a qui me demandent, mais comment tu fais, Marthe Karine? Comment tu réussis à faire ce genre de choses? Les amis, la vérité, c'est parce que je suis quelqu'un de ferme. Je suis quelqu'un de ferme. Ça fait un an et demi que je me suis fixé que j'allais ouvrir ce centre de formation à Yaoundé. Je me suis dit, contre vents et marées, je vais le faire. J'avais ciblé mes quartiers. Écoutez bien, j'avais ciblé les quartiers. Et parmi ces quartiers, il y avait le quartier Bastos. Je voulais Bastos. Je voulais franchement Bastos. Et quand on demandait les prix pour louer des espaces, c'était des prix au-delà de 1 million et plus. C'était des prix franchement chers. Mais pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis chrétienne. Et il y a des principes pour dominer un territoire que moi, je connais. Donc, moi, je suis rentrée pendant un an. J'ai appliqué les principes pour dominer le territoire. Je vous assure qu'à un moment donné, j'ai pris des agents immobiliers pour me chercher le local, pour m'aider à trouver un endroit bien. J'ai payé des gens et tout, mais ces gens ne m'ont pas ramené l'espace que je voulais. Cependant, lors d'une réunion de femmes, un jour, il y a une dame. C'est-à-dire qu'elle vient me saluer et je lui dis, wow, en principe, je dois aller à Yaoundé parce que j'ai tel projet à Yaoundé. Elle me dit, hein? Je peux t'aider. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, je peux t'aider. Et c'est là où tout a commencé. Et c'est là où tout est parti. Mais à l'origine, j'avais ma vision, j'étais ferme et je marchais. Et autre chose que je veux vous dire, sachez sélectionner les personnes qui sont autour de vous. Vous comprenez? Il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi Yaoundé, tout ça, tu es déjà à Douala, est-ce que tu es sûr que... Non les amis, quand tu es dans les affaires, c'est toi qui imposes le rythme. Oui, c'est ça qu'on appelle une dimension d'énergie très élevée. Je vais vous faire une autre vidéo dessus parce que celle-ci devient déjà très longue. Je vais vous faire une autre vidéo dessus. Une dimension d'énergie très élevée. Une dimension d'énergie très élevée qui te permet d'attirer les bonnes opportunités, qui te permet d'attirer de l'argent, qui te permet de réaliser beaucoup de choses. Et moi, je travaille ça. Je travaille ça énormément. C'est la raison pour laquelle mes amis disent toujours que, Marthe Karine, comment tu fais? Tout ce que tu touches prospère. Tous les business que tu fais, ça marche. Non, je comprends ce genre de choses, d'accord?
Et aujourd'hui, je voulais partager ça avec toi. Nous sommes encore très tôt le matin. Je vais aller tout à l'heure me coiffer parce que oui, je dois changer ma coiffure là. Je vais me maquiller, je vais faire mes ongles aussi parce que je n'ai rien fait. Rien fait du tout. À ce moment, j'utilise un produit là qui est juste extraordinaire. Ça enlève tous les boutons, toutes les taches noires. Ça te donne un visage propre, clair, comme vous pouvez le voir, comme je vous ai dit. Ça enlève toutes les scènes pour quelqu'un comme moi qui dort tard et qui est toujours occupé. Très souvent, j'ai souvent les scènes et tout. Mais ce produit-là, waouh, ça t'enlève tout ça. Ça te donne un corps fantastique. Très bientôt, peut-être, je vais voir si je pourrais venir vous parler de ça ici. C'est vrai que c'est une chaîne pour l'entrepreneuriat, mais on verra. Il y a aussi beaucoup de femmes qui écoutent ici. Donc, passez une bonne journée, les amis. On va vous mettre les images tout à l'heure, les images de la sortie, tout ce qui s'est passé pour la sortie. On commence déjà à faire trop de bruit ici. Nous sommes quand même logés dans un endroit qui me plaît. C'est bien. Je vous montrerai peut-être les images aussi plus tard. Passez une bonne journée et à plus tard.